Hey, salut tout le monde, c'est Annie. Annie pour la communauté, Blabla Linux pour la communauté, mais la chaîne YouTube également. Alors, est-ce que ce thème d'icône qui se nomme Au Capitaine vous plaît? Oui? Eh bien, c'est juste un petit point d'eb à installer. C'est on ne peut plus simple. Je ne vais pas vous dire de quelle distribution provient ce jeu, ce thème d'icône. À vous de deviner, je compte bien présenter cette distribution d'ici peu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette distribution n'est pas fort aimée, n'est pas fort appréciée, n'est guère utilisée, juste parce qu'elle n'apporte rien de plus qu'un beau design. C'est tout. Voilà. Maintenant, c'est dommage parce que ben, c'est déjà pas mal, je vais dire, parce que voilà, elle fonctionne bien. Déjà, elle ne fonctionne pas moins bien que sa distribution mère, je vais dire. Allez, c'est parti pour ce petit point d'eb. On se retrouve sous Mint, donc Linux Mint 18.1 XFCE. Voilà, donc vous voyez, c'est une Mint dans sa configuration par défaut, native. Donc c'est une fraîche install hein, ici. Donc téléchargement. Et on peut voir mon petit point deb que je vais d'ailleurs placer sur le bureau. Petit point deb que voici. Hein, voilà. Un clic droit, propriété. On peut voir 4,9 mégas. On est presque à 5. Donc je vais tout simplement faire. Attendez, avant l'installation, voici nativement, par défaut, ce que propose Mint. J'allais dire version XFCE, mais même ce que propose Mint tout court, que ce soit en version XFCE, Cinnamon, Mate, KDE. Je pense que le thème d'icône est plus ou moins, j'allais ou plus ou moins le même, plus ou moins. Bon, on va dire que voilà, voilà ce que propose Mint, allez, en édition en XFCE en version 18.1. Donc, voici le jeu d'icônes, comme ça, on verra le avant-après. C'est parti, clic droit. On va faire ouvrir avec l'installateur de paquets G2B. Voilà, toutes les dépendances sont satisfaites. Installer le paquet. On s'authentifie. Et on patiente. Voilà, installation terminée. On attend bien. Voilà, là elle est vraiment terminée puisqu'on voit réinstaller le paquet. À partir de là, je peux supprimer. Voilà. Alors, on va se rendre dans tous les paramètres. Apparence. Et vu que c'est un jeu, un thème d'icône, tout simplement icône. Et dans le bas. Au Capitaine, un clic et voilà le jeu, le thème d'icône vient de se mettre en place. Voilà. Maintenant, si on passe si on applique le thème Mint Y Dark, c'est encore du plus bel effet. Parce que vous voyez ici, ça ne donne pas bien. Donc, ce qu'on peut juste faire. Hein, voilà, icône c'est fait, police, ok, peut-être, gestionnaire de fenêtre, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ben c'est pas si mal.
Voilà, ça embellit un peu la distribution. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine!